La retraite, c'est pour moi. C'est pour moi. Pour moi aussi. Ouais, c'est 5 à 7 pour le départ à la retraite de Michel demain. Est-ce que tu y vas? Ben oui, j'ai préparé une surprise. J'ai entendu quelqu'un dire à la radio que la RRQ s'en va droit dans le mur. Ben moi, la retraite, ça me concerne pas, hein. J'ai pas d'argent. Ces personnages ont des idées reçues sur la retraite. Voyons ce qu'en pense Anne-Marie de la Sablonnière, formatrice et spécialiste des questions sur la retraite. Ouais, c'est 5 à 7 pour le départ à la retraite de Michel demain. Est-ce que tu y vas? Ben oui, j'ai préparé une surprise. J'ai entendu quelqu'un dire à la radio que la RRQ s'en va droit dans le mur. Mais le régime des rentes du Québec, c'est un outil collectif qu'on s'est donné pour épargner. Donc, quand je travaille, je cotise à au régime de retraite du Québec et mon employeur cotise aussi. Il y a une stabilité. On sait que la population vieillit et graduellement, collectivement, on paye tous un peu plus à partir de notre salaire pour justement pouvoir faire face aux besoins qui vont grandir dans la population québécoise. Moi, la retraite, ça me concerne pas, hein. J'ai pas d'argent. Bien, en fait, la retraite, on va tous y arriver. Mais même si je n'ai pas de régime d'employeur, même si je n'ai pas d'épargne personnelle, je vais quand même pouvoir bénéficier des régimes publics que l'on a ici au Canada.